Ok. De retour. Je vais juste reprendre un petit peu de vie. Une potion automatique. Est-ce que je fais un tour rapidement des vendeurs? Je sais pas si c'est vraiment utile. Surtout que là, les vendeurs, ils vont commencer à avoir des armes un petit peu trop bas level pour moi. Donc du coup, je pense qu'il vaut mieux que j'avance dans le jeu. Du coup, on va s'intéresser maintenant eh bien, à la suite du scénario. On va aller chercher la clé de la mine. Qui se trouve là-dedans? Est-ce que j'ai rendu mes quêtes annexes? Ça, c'est une question qui est une question. Ok. Est-ce que je la rends à ce mec-là? Non, il faut la rendre à... Faut la rendre au petit village. Donc on va retourner à Firestone, rendre la quête, histoire de gagner l'XP qui est associé, peut-être passer notre niveau 18, et ensuite on ira chercher notre clé. Jusqu'où on emmène le challenge? Jusqu'à Chromerax. On va faire parcours 1, parcours 2. DLC 3, DLC 1, DLC 4. Ensuite, on va faire probablement Chromerax et les arènes en dernier. On va essayer de faire tout. On va essayer de tout faire. Maintenant qu'on a un perso quand même craqué, hein, parce que bon, étant donné qu'on joue quand même Sirène avec un constructeur qui peut faire un anarchie, globalement, on a la possibilité de faire la totalité du jeu. Donc on est parti pour faire vraiment la totale de la totale. Donc dans l'ordre, ce qu'on va faire, on va faire parcours 1 en entier. Ensuite on enchaîne sur parcours 2 en entier. On va pas faire le DLC du parcours 1 étant donné que ça sert globalement à rien. On va enchaîner direct le parcours 2. On va finir le parcours 2, on va être probablement niveau 50 ou 51. Une fois qu'on l'aura terminé, on va passer sur le DLC 3. Parce que le DLC 3, il ne s'équilibre pas à votre niveau. Donc du coup, vous devez le commencer pas trop loin du niveau 50, parce que sinon vous allez être trop en avance. Vous allez avoir trop de niveaux, et du coup le DLC 3 sera pas intéressant. Donc on va essayer de le commencer le plus vite possible. Et une fois qu'on aura fini le DLC 3, on va monter niveau 69, donc niveau max. Et une fois qu'on sera niveau max, on va enchaîner DLC 1, DLC 4 pour avoir la fin de l'histoire. Et ensuite, Chromerax, les arènes, enfin tout le vrai endgame, etc. Combien de temps ça va prendre? J'estime que ça va prendre entre 2 et 3 mois. À raison d'une émission par semaine. Donc ça va nous occuper un petit moment. Si vous loupez un épisode, c'est pas très grave étant donné que je vais tout uploader sur mon YouTube. Mais là, on est parti pour une aventure suivie pendant pas mal de semaines. C'est vrai que c'est assez cool, hein, parce que là, ça fait pas mal de temps que je navigue d'un jeu à l'autre. Voilà, je fais une émission sur Marvel Heroes, après une émission sur Grim Dawn, ensuite une émission où je fais du Diablo, etc. Là, je vais me poser un petit peu. Je vais me poser sur Borderlands. On va bien torcher le jeu du début à la fin. On va faire tout le contenu bien comme il faut dans l'ordre. Comme ça, on aura une vraie aventure suivie, chose qui n'était pas arrivée sur l'émission depuis pas mal de temps. Donc c'est sympa un petit peu de se poser sur un jeu et pas de me ronger les sangs à me dire bon allez, quel est le prochain jeu que je vais faire dans la prochaine émission, etc. Donc voilà, on va se poser sur Borderlands tranquille. Et bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a pire hein, comme jeu pour se poser. Il y a bien bien pire que Borderlands, donc j'avoue que je suis très content de me reposer un petit peu sur ce jeu que j'adore. Oh, un petit artefact choc, nice. Parfait. Parfait, parfait.
Is there no end to my power? Non, non, le parcours 2, on va tracer comme il se doit. Hein. Je pense qu'on va faire quelques quêtes annexes dans le parcours 1, histoire de me les remettre un petit peu dans l'esprit, parce que ça fait un moment que j'y ai pas joué, tout simplement. Par contre, le parcours 2, lui, on va tracer la race. Hein. Là, je vous garantis que on va essayer de le terminer le plus rapidement possible pour passer à la partie marrante, à savoir le DLC 3. Non, non, t'as pas besoin de faire les quêtes annexes, hein, pour passer 50, il suffit de tuer quelques fois le Rack Hive, et puis tu passes 50 en, je sais pas, 3 quarts d'heure peut-être, mais encore. Donc non, hein, c'est absolument pas un problème, hein, le leveling, hein, absolument pas un problème, ne vous inquiétez pas. Le surplus SMG. Je perds de la vitesse d'attaque, mais est-ce que je vais pas gagner en vitesse de rechargement? Ah si, c'est... Il a un bien meilleur... Bien meilleure vitesse de rechargement, donc je vais garder cette arme, même si elle est plus lente. Allez, on va rescue le claptrap. En prenant l'objet qui se trouve ici. Voilà. Une quête rondement menée, comme ça, on n'a pas besoin de revenir sur le pas. Même s'il attaque moins vite, je préfère cette arme à celle d'avant. Parce que la vitesse de rechargement était tellement faible dans l'arme d'avant que je vous avoue que le DPS s'en ressentait énormément. Et en plus, il y a de l'Iron Sight, et l'Iron Sight, c'est la vie dans Borderlands. Oh, fusil à pompe dalle. Fusil à pompe dalle. Ça fait plaisir. Terrible shotgun. Go. Gimme, mon premier fusil à pompe. Lance-roquette Vladov. Inutilisable. Enfin non, pas inutilisable en termes trop mauvais, non, non. Inutilisable dans le challenge, hein, bien sûr, vous aurez tous compris. Donc voilà, on a toujours ce bouclier Torg, hein, qu'on n'a pas réussi encore à... On n'a pas réussi à trouver un seul bouclier fabriqué par Dal, donc j'espère que ça va pas trop tarder non plus. Hein. Voyons un petit peu ce qu'il donne ce fusil à pompe. Non, c'est pas par là. Ce n'est pas par là. Ici. En bas, il y a des munitions, si je me rappelle bien. C'est ça, exactement. Bon, c'est un peu difficile à savoir la puissance de ce truc-là, étant donné que j'ai 4 niveaux d'avance sur les ennemis, étant donné qu'on a XP juste avant. Ah, Chromerax, bien sûr. Donc là, encore un vendeur. Si je me rappelle bien, il y a potentiellement des trucs bien dans ces lockers aussi. Non, malheureusement, juste des munitions. Alors, bouclier Hyperion, bouclier Tedior. Toujours rien d'utilisable, donc on les ramasse pour les vendre. Oh yeah. Alors que j'ai passé un level, hein. S'il te plaît, respecte-toi, Canon, mets tes points de skill. Oui. Ah.
là là. Cette petite éradication de tous les mutants psycho. Est-ce qu'il y a plein de clés en or dans Borderlands 1? Non, il y en a dans Borderlands 2 et dans Borderlands Pre-Sequel. Pas de coffre de loot qu'ils ont été obligés d'intégrer parce que les loots de base du jeu étaient trop mauvais. Là, si tu veux des armes dans Borderlands, eh ben, t'as qu'à tuer des ennemis ou ouvrir des coffres. Hein. Alors que dans Borderlands 2, tu peux rien avoir. Quoi que tu fasses, t'auras de la merde dans Borderlands 2. Allez, ça y est. Ça continue à mal parler. Alors, je crois qu'il y a un raccourci, en fait, pour revenir. Et je me demande s'il s'ouvre pas dans cette zone-là. Je sais qu'il y a une porte qui s'est ouverte. On est à 6, ça doit être par là. Bref, on s'en fout. On va refaire le tour. Allez, on reprend des munitions. Mais non, ça parle pas mal. Ça parle l'objectivité, bien sûr. La parfaite objectivité de Canon sur Borderlands 2. Hein, tout le monde la connaît. Elle est légendaire, maintenant. L'objectivité de Canon sur Borderlands 2, bien sûr. Non, vous savez quoi, ça me saoule. Donc en fait, on va quitter la partie, recommencer, et puis ça ira très bien. Ça ira très bien, comme ça on se téléporte directement à l'entrée de la safe house, et voilà. Et puis foutez-moi la paix. Voilà, c'est plus rapide. C'est ça le vrai raccourci en fait, c'est pas du tout la porte qui s'ouvre ou que dalle. Non, c'est de quitter la partie, recommencer. Donc du coup, vu qu'on a récupéré un shotgun, on va récupérer l'augmentation de munitions du shotgun. Voilà. Grenade Torg qui m'intéresse absolument pas. Des boucliers par dalle. C'est bon. On se barre. Shotgun Teddy Or qui vient de dropper. Ah, j'avoue que là ça commence à sortir des jeux très sales. Hein. Superman 64, là c'est chaud par contre. Hein. Là on commence à rentrer dans la catégorie Angry Video Game Nerd World. Hein. Attention. Donc là voilà, normalement il y a tout un tas de quêtes annexes à faire dans cette zone là, mais maintenant qu'on est suffisamment haut niveau, on va juste farmer le scénario pour quitter la première zone, enfin. On va checker, comme d'habitude, les marchands, étant donné qu'on a recommencé une partie, donc du coup ça refresh les marchands automatiquement. Vladov, toujours pas. Putain, mais c'est vraiment pas de bol hein, sur les marchands. Eh non, toujours pas de bouclier dalle trouvé. Alors les boucliers dalle, c'est ceux qui font de la résistance aux dégâts corrosifs. Donc ça sert globalement à rien, mais c'est normalement les seuls que j'ai le droit d'utiliser. Ah, ça typiquement c'est un bon shield, mais ouais. Toujours pas pangolin. Quoique pangolin, j'aurais le droit étant donné que pangolin il fait pas d'armes. Ouais, je pense que je vais le prendre étant donné que pangolin ne crée pas n'est pas un constructeur de flingues, donc du coup c'est moins grave de se balader avec un bouclier pangolin qu'avec un bouclier Torg, du coup. Donc, je préfère échanger. Ok, on vend tout ça. Et on va continuer directement le scénario, hein, on va pas passer par les quêtes annexes. Hein. Comme je vous dis, on est largement au niveau. Et on va aller directement s'attaquer à Sledge.
Et c'est absolument pas par là. Gros sacoyalo! C'est ici en fait. Everything you've faced up until now has been simple. You're about to face a real challenge in Sledge. Do not underestimate him. Ouais, c'est ça. Merci, Guardian Angel, tout ça. T'as pas reçu l'un de service, j'ai changé ma propre règle. Bah évidemment. Évidemment, ça c'est les bases. Ça c'est les bases. Ok. What the fuck? Petit bug de souris. Ok. Je sais pas, pour la vitesse de ma souris s'est retrouvée super faible, donc du coup impossible d'avancer correctement. Bon. Est-ce que t'as essayé d'arrêter de relancer le jeu? Bah oui, voilà, ça marche maintenant. Avant d'avoir des SMG qui font le taf, je pense qu'on va continuer un petit peu avec les fusils à pompe, étant donné que pour le moment c'est la seule arme qui fait un peu de dégâts. C'était Dior, Maliwan. Ok. C'est vrai que c'est un peu long hein, quand même de tuer un ennemi. Donc là on va s'occuper de ce mec là. Et voilà. Ça fonctionne un peu mieux, c'est sûr. Et voilà. Nice. Comment faire place nette sans gaspiller une seule munition? Allez, tirons-nous. Le shotgun de Sledge est de quelle marque? Bonne question. Le shotgun de Sledge. Je crois qu'il est Jacobs, ouais, effectivement. Je pense que ça paraît logique, quoi, ouais, qu'il soit Jacobs, étant donné qu'il fait des dégâts absolument faramineux, mais il a une précision à chier. Bon, il est vraiment excellent ce fusil à pompe. Il est vraiment excellent, il fait beaucoup de dégâts, il a pas une précision géniale, mais elle est pas immonde non plus. Donc globalement, on en a très 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 bonne arme. Je pense qu'on va la garder jusqu'à ce qu'on trouve un SMG pas trop immonde. Allez, respecte-toi. Respecte-toi, mec. Petit machine gun à Vok hein, qui vient de dropper. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un truc de munitions ou de...
Ou une arme par là. Je crois qu'il y en a une, mais il faut genre continuer à avancer sur, sur ce truc-là. Sur le rail, me semble-t-il. Rapproche-toi. Voilà, très bien. Ok, donc on Tactical Retreat, boys. Ah ouais, et il avait même pas un fusil à pompe meilleur que ça, donc non, c'est juste qu'il a dû très bien tirer. J'ai dû prendre pas mal de pellets. Ok! Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu une explosion qui est sortie absolument de nulle part. Ah, c'est parce qu'il a dû balancer une greu étant donné qu'il m'a droppé un class mode. Un mode de grenade. Je pense que ça venait de ça. Mais du coup, c'est quoi comme fusil à pompe que t'avais? C'était ça. Terrible Scattergun. Ah oui, ça fait énormément de dégâts, mais l'accuracy est très mauvaise. Donc du coup, j'ai dû prendre pas mal de pellets, étant donné que j'étais très proche de l'ennemi. C'est ça qui s'est passé. Ok, parfait. Encore un lance-roquette que je n'ai absolument pas le droit d'utiliser. Je crois pas de façon qu'il y ait de lance-roquettes qui sont designées par dalle dans ce jeu, donc. Malheureusement, je ne pourrais pas utiliser les lance-roquettes. Quelle grosse perte! Ah, salut Vael Straza. Ah non, tirer ma foi de World of Warcraft, je pense. Surplus rifle. Testons ce truc-là. Sur rien. Non. Je préfère mon stomper. Ok, alors. Bouncing Betty. Je pourrais passer à une grenade de niveau 16. Parce que là, pour le moment, j'ai une grenade que de niveau 7. Je pense que ça vaut le coup de changer ma greu. On va faire ça. Même si la mienne était était au feu, je viens quasiment de doubler mes dommages sur mes grenades. Donc c'est quand même assez intéressant, ma foi. Classe mode pour soldat. D'accord. On commence à avoir des classes mode dans le jeu. Parfait. Parfait, parfait. On va reprendre des munitions et on va aller s'attaquer à Sledge. P.S. You guys aren't friend. Oh, no shit. No shit, bro. Ok, c'est vrai que son fusil à pompe, globalement, ça rigole zéro. Ah, mais c'est quoi ces grenades qui ont explosé n'importe où, quoi? Ah
Ok. Toi, si tu vas pas trop loin, voilà, on va pouvoir mettre un terme à ta stupide vie. Bon, voilà, c'était un combat de boss qui était un combat de boss a fortiori. Ce petit Sledge qui nous a droppé son arme, du coup. Son fameux fusil. Enfin, son fameux fusil à pompe. Le Sledge Shotgun, le voici. 57 x 11. Ce qui fout une grosse pilule à la totalité des ennemis, enfin à la totalité des armes que vous avez pu trouver jusque là. Le problème c'est qu'il a une précision de 0 et que lorsque vous tirez avec, ça balance toutes les balles en même temps. Je peux vous montrer, hein. Voilà. Voilà, donc c'est absolument n'importe quoi, hein, comme arme. Il y a très peu de personnages qui peuvent utiliser ce... cette arme de façon optimisée, mais si vous avez un perso dédié, ça peut être absolument débile. Ce fusil à pompe. Et allez, cassons-nous. The vault is real. What you are holding is the key that opens it. One part of it anyway. Ah, et on va parler à Commandant Steel. Est-ce que vous connaissez notre ami le soleil? Étant qu'elle est blanche comme un cul. Teddy Or, putain, j'ai vraiment pas de bol. Hein. J'ai pas été foutu de trouver un, ne serait-ce qu'un SMG DAL vert. Putain, j'en ai pas trouvé un, quoi. Ah, Commandant Steel. Blanc comme un cul, mais quand même, elle est présente. Commandant Steel qui est totalement une sirène, hein, d'ailleurs. Qui est totalement une sirène, hein. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Petit level up salvateur. Il nous a remis 100% de points de vie. Évidemment, c'était du timing parfaitement voulu de ma part, hein, bien sûr. C'est évident. Bon, j'ai eu un revolver dalle. Faut voir un petit peu les dégâts que ça fait, mais en général, je suis pas très fan des... Je suis pas très fan des revolvers, à part certains revolvers très précis qui font des dégâts élémentaires. Je pense pas que ça ait changé au niveau des marchands. Non, c'est toujours les mêmes. Alors, Sledge Shotgun, on revend. Teddy Or, Vladov, SMS Munition, Vladov, Dal. Non, attendez, il fallait que je vérifie les stats du revolver. Donc 100 de dégâts, 87 accuracy, 2 de fire rate, il est pas dégueulasse. Hein. Franchement, il est pas dégueulasse comme item. Transfusion inutilisable. Bah franchement, mon pauvre SMG, tu sers tellement à rien en ce moment que je préfère même te remplacer par cette arme. Ouais, si t'es pas trop un sac et que t'arrives à faire tes dommages critiques, ça fait mal. Ça fait carrément mal. Donc bon, je vais garder comme arme d'appoint, mais bon, c'est pas... Ah, enfin, putain! Enfin, un SMG DAL qui ressemble à quelque chose. Bon, je mets encore 4 plombes et demi à recharger mon arme, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, je commence à faire des dégâts un petit peu plus corrects, hein, parce que le 14 de dégâts est commencé à être un petit peu faible.
Là, globalement, on est un peu mieux. On est à 30 et quelques. Donc, on a deux fois une utilisation de nos balles qui est deux fois plus optimisée au final. Vu que chaque balle va faire deux fois plus de dégâts que la précédente. Enfin, qu'avec l'arme précédente. Ok, donc on continue à augmenter notre phase walk, hein, bien sûr. C'est notre arme principale. C'est la chose qui nous rend craquer. Et on en a terminé avec cette première zone du jeu, la joie. C'est ça, comme elle dit, cassons-nous. Donc là, j'ai fait quoi? J'ai fait peut-être la moitié des quêtes annexes de cette zone, en gros. Ouais, c'est cool, bah on ira le voir jamais. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Claptrap? Qu'est-ce que t'en penses, mon petit clapy? Ça y est, j'ai eu mon premier classe mode et c'est un classe mode pangolin, je crois, donc ça va, c'est pas trop en désaccord avec notre challenge, étant donné que c'est pas un constructeur de flingues, un pangolin. Donc en attendant de trouver un classe mode fabriqué par Dal, ben on va rester sur celui-là. Et cette fois, interdiction de changer. Hein. Interdiction de changer. On reste avec ce classe mode tant qu'on n'a pas trouvé un fabriqué par Dal. Autant les boucliers, au bout d'un moment, tu es obligé d'augmenter parce que tu prends trop de dégâts. Et que sans bouclier, bah, tu peux pas avancer dans le jeu. Donc je me permets d'acheter des boucliers, même si c'est pas très très souvent. Autant le classe mode, non. Classe mode, interdiction totale d'utiliser un autre classe mode que ce petit truc pourri qu'on nous a filé au début, tant qu'on n'en a pas un par dalle. Oui, j'ai fait les challenges avec la voiture, ça nous a pris 4 essais, mais on a réussi à le faire. On a réussi à aller sur orbite avec notre voiture. Est-ce que je vide le camp? Je pense qu'il y a deux trucs que je peux vérifier avant de partir. Deux coffres. Ouais, je vais faire ça. Je vais aller vérifier quelques coffres avant de me barrer. Parce que ce serait un petit peu dommage de se tirer sans avoir vidé leur contenu. Donc il y en a un là. Bah merci d'être passé, Huxley. Bonne soirée. Il y a un coffre ici qu'on va expressément vider. Oh, un flingue bleu SNS, visiblement. C'est ça. Un repeater. Ça se voit à la couleur. Hein. Quand vous avez des flingues comme ça, jaunes, à dominante jaune, c'est des SNS munitions. Salut Oderio. Et salut Vert Solitaire. Ah non, d'accord. Ok, tu disais bonne soirée à Huxley. My bad. My bad. Je n'avais point compris. Et donc là-dedans. Bon, après cette petite. après cette petite cascade gratos qui n'a pas beaucoup de sens mais qui est présente. Donc dans cette petite maison, dans le sous-sol, vous avez un coffre plus un marchand d'armes. Et là aussi, vous avez une quête qui consiste à vérifier ce qu'est ce cadavre. Alors oui, certes, c'est un...
Ouais. C'est une arme d'âle. C'est une arme d'âle, certes. C'est un SMG, mais c'est aussi un thumper. Qu'est-ce qu'un thumper, allez-vous me demander? Eh bien, c'est pareil qu'un submachine gun, sauf que vous allez tirer environ 6 fois moins vite que n'importe quel autre machine gun du jeu. Donc globalement, ça pue du fion très légèrement. Ouais, voyez-vous? Donc après avoir trouvé un anarchie, les anarchies qui peuvent globalement pas être mauvais, hein, et qui n'étaient pas construits par dalle, on se retrouve avec notre première arme violette par dalle qui est absolument inutilisable. Donc franchement, je suis vraiment content, hein, très très grosse chance, hein, je vous avoue, sur ce début de parcours. J'espère qu'à un moment, je vais commencer à trouver des armes un petit peu correctes, parce que pour le moment, c'est un peu dur. Pour le moment, c'est un peu difficile. Allez, cassons-nous avant que je m'énerve. Et passons dans la zone numéro 2. Allez, tirons-nous de là. Donc là, j'aurais pu faire une quête, hein, qui consistait juste à tirer sur cette... sur ce truc que vous avez là-haut. Oh, I'm really annoying. I don't know how people put up with your language. Sorry. Well, that's all I can say. Sorry for being French and you, sorry for being an asshole. Enfin bref. Maliwan. Intéressant, mais c'est toujours pas le bon putain de constructeur. Allez, parlons au clapy. Et on va se diriger tranquillou vers la deuxième zone. Salut Spock Spock. Comment vas-tu? Et comme d'habitude, hein, les claptraps, dont la seule utilité, c'est d'ouvrir des portes. Un hein, classique. Open! C'est quoi le challenge constructeur le plus simple? C'est probablement celui qu'on est en train de faire là. Le challenge constructeur dalle sirène. Sinon, si t'en veux un autre qui est un petit peu différent, tu peux faire le sirène Maliwan. Qui est très très drôle aussi. Mais je vous avoue que le plus fun que j'ai fait, j'en ai parlé un petit peu avant dans le stream, le plus fun que j'ai fait de tous les challenges constructeurs, c'était avec le soldat et les armes Torg. Le soldat Torg est extrêmement efficace. Ah! Enfin! Enfin un bouclier dalle, bordel de merde! Enfin je peux me lancer mon challenge. Et en plus. Un classe mode dalle. Comme ça, on est à 100% dans le challenge. On a un objet dalle sur tous nos slots. Et maintenant, ça y est, il n'y a plus de mind game. On est obligé d'utiliser des objets dalle du début à la fin. Oh, mon premier sniper dalle, je le garde. Je le garde complètement. Salut Dream Game. Eh ben voilà, c'est parfait tout ça. Donc j'ai mon Stomper, mon fusil à pompe qui est toujours très bon, le Violent SMG, plus un sniper dans le cas où j'ai besoin de tirer sur les ennemis à distance. C'est parfait. Ça me paraît très bien comme setup. Du coup, je vais m'acheter des munitions pour mon sniper. Ah non, j'ai pas assez de thunes malheureusement. On va devoir farmer un petit peu dans cette zone. Non, il faut d'abord que je parle au PNJ. Tu pars sur quoi sur les talents? Alors, problème de Borderlands 1, c'est qu'il n'y a pas vraiment de build différent. C'est-à-dire que tu peux monter tellement haut niveau dans Borderlands 1 que tu peux quasiment mettre des points dans tout. Le plus important à monter avec la sirène au début, c'est le fire rate, parce que c'est ça qui va augmenter ton DPS le plus. Ensuite, ton but, c'est d'avoir cette capacité-là
maxer le plus rapidement possible. Et pour cela, le mieux, c'est de prendre Slayer, puis Hit and Run, et ensuite Blackout. Une fois que tu as maxé ça, tu peux prendre Enforcer, High Velocity. Ça, t'as pas besoin tout de suite. À la limite, tu peux choper Intuition, mais franchement, l'arbre du milieu, il est pas vraiment intéressant pour le personnage que j'ai prévu, donc ce sera pris, mais un peu plus tard. Une fois que tu as maxé ça, c'est Shield Capacity, Regenerate quand tu Phase Walk. Girl Power, Phase Cooldown, enfin le cooldown du Phase Walk diminué, et ensuite Mind Game. Voilà, ça. Non, ça. Et puis Regenerate 2% of your shield, pourquoi pas. Mais ton plus important, c'est ça en premier, et ensuite choper ça. Allez, on va vider cette zone. Notre but, je crois, c'est de tuer 15 bandits dans cette zone. Ce qui va nous permettre d'ouvrir la porte. Ah, t'y as cru, hein? Eh bien non. Nice. Allez! Plus qu'un seul ennemi à tuer. Il va probablement se trouver, voilà, là-haut sur la plateforme. Allez, lâche-moi ton loot! Donc là, dans cette zone, il y a trois coffres hein, à piller. Trois coffres très faciles d'accès. Oh! Très bon Vladov. Deuxième Vladov. Deux snipers. Intéressant, intéressant. Bien fait pour ta gueule. Eh bien putain, le nombre de flingues Vladov que je drop, impressionnant. Donc là, cette zone-là, si vous avez besoin de vous refaire un équipement rapidement, bah ça peut être sympa. Étant donné que vous avez trois coffres accessibles très rapidement. Oh! Oh! Ce Hunter Shotgun 84x7, oui? Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, je prends. Je prends, pas de problème. Pas de problème. 84 x 7, ça fait combien ça? Ça fait 540 dégâts? Non. 8 x 7, 56. Environ 600 dégâts. Et celui d'avant, il était à 28 x 9. 3 x 8, 26. Ouais, on vient de faire 2 fois et demi notre DPS. Hein, globalement, ça se passe plutôt bien. Globalement, ça se passe plutôt bien. Non, il n'y a plus de cocu point, effectivement. Je trouvais qu'avec
Avec la nouvelle interface, avec le nom du jeu en bas à droite, Challenge Constructeur Dalle écrit en bas, on allait limiter un petit peu les trucs qu'il y avait écrit à l'écran. Donc, plus de Cocu Point. Mais ça connaît, hein. Ça connaît les vraies phases, hein. Ça connaît le premier challenge Borderlands que j'avais fait avec Mordecai et les SNS munitions, des armes SNS munitions. J'avais mis en place un système de Cocu Point, donc des points. Et à chaque fois que je tombais sur une arme surcraquée, j'étais obligé de rajouter un Cocu Point au compteur. Et le but du jeu, évidemment, c'était de terminer le jeu en ayant le moins de Cocu Point possible. Hein. Donc, on se retrouve avec les armes les plus pourries. Et je sais plus à combien j'avais fini. J'avais fini à je sais plus, une quinzaine de Cocu Point, je crois. Mais là, ça aurait complètement valu un Cocu Point. Hein. Que vous le sachiez. C'est totalement un loot à Cocu Point qui vient d'arriver. Allez. Pas de Cocu Point à chaque fois que je flamme Borderlands 2. Ah, c'est vrai que je pourrais faire des points canon. Je pourrais faire des points canon à partir du moment où on commence à insulter copieusement Borderlands 2, mais non. Là, par contre, on n'aurait pas assez sur l'écran de place, en fait, pour compter tous les points canon. Donc non, malheureusement non. Ce qu'on va faire, on va juste activer les switches qui sont là. Et on va pas faire le boss tout de suite, on va s'amuser à faire quelques quêtes annexes. Notamment celle où on va aller dans les profondeurs éridiennes. Tu fais quoi comme vidéo sur ma chaîne YouTube? Bah déjà je poste les VOD du stream, comme ça si vous n'êtes pas là pendant le stream de la semaine, bah, vous avez la VOD sur le YouTube quelques jours plus tard. Et sinon, ça m'arrive de faire des tutoriels, par exemple. J'ai fait pas mal de tutoriels sur Marvel Heroes, par exemple. Mais il vaut, vu que j'upload un petit peu de façon anarchique, il vaut mieux regarder directement les playlists en fait sur mon YouTube, parce que les playlists elles sont à jour et dans l'ordre. Du coup, c'est pratique si tu veux voir l'intégralité par exemple des tutoriels Marvel Heroes qui sont en plus ou moins faits dans l'avancée du jeu. C'est sympathique d'avoir la playlist qui est rangée dans l'ordre. Est-ce que j'en fais sur Borderlands 2 ou Pre-Sequel? J'ai fait pas mal de tutoriels à l'époque de la sortie de Pre-Sequel. Mais c'est vrai que j'ai pas fait de tutoriel sur Borderlands 2. Tout simplement parce que j'ai... Au moment où je saignais Borderlands 2, je jouais sur Xbox en fait. Je jouais sur Xbox 360 et pas sur PC. Et du coup, bah, je pouvais pas... Enfin, j'avais pas la possibilité à l'époque d'enregistrer mon gameplay sur Borderlands 2. C'est pour ça que j'ai pas de tuto Borderlands 2, mais j'ai des tutos Pre-Sequel parce que j'y ai joué sur PC du coup à la sortie. Donc j'ai quelques vidéos dessus, notamment comment trouver certains boss cachés. J'expliquais aussi mon build de Nisha. Enfin bon, j'ai tout un tas de petites vidéos comme ça en rapport avec Borderlands. Et si vous regardez donc les vieilles vidéos à la demande de l'émission, donc de Hit My Click. Vous avez le premier challenge constructeur Borderlands que j'ai fait il y a plus d'un an maintenant sur la Powerplay déjà. Qui était du coup de finir le jeu avec Mordecai et utilisant uniquement de l'équipement SNS munitions. Donc ouais, il y a tout un tas de vidéos hein, sur le YouTube. Mais c'est vrai que là, en ce moment, je l'utilise quasiment uniquement pour poster la vidéo à la demande du stream qui a eu lieu dans la semaine quoi. Donc vous avez au moins une vidéo postée par semaine parce que j'ai un stream par semaine. Donc vous avez au moins ça. Donc ne vous inquiétez pas, hein, si vous vous abonnez à mon YouTube, c'est pas moi qui vais vous flouder de vidéos. Par contre, il est très probable que lorsque je poste une vidéo, ce soit une putain de vidéo de 4 heures. Voilà, donc ça il faut que vous sachiez, faut que vous soyez au courant. Faut que vous soyez au courant, voilà, c'est tout simple. Allez, on a réussi cette première quête de la zone 2. On va aller s'occuper de Skaxila.
Mais d'abord, on va récupérer la prochaine le prochaine étape, en fait, entre guillemets, de la quête de cette zone qui nous demandera de détruire, voilà, des véhicules ennemis. Du coup, on va faire ça après. Je reste jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 23h. On reste jusqu'à 23h ensemble. Alors, normalement, jusqu'à 19h, vous auriez dû avoir Ziak pour One Week Run. Malheureusement, Ziak n'était pas disponible. Il n'était pas en mesure de faire son stream aujourd'hui, du coup. Bah, j'ai tout simplement pris le créneau à la place pour pas qu'il y ait rien qui se passe sur la chaîne. Et au lieu de commencer mon émission à 19h comme c'est le cas normalement, eh bien j'ai commencé à 15h. Donc ça fait déjà 4 heures qu'on est ensemble. Et il s'avère que c'est l'heure de la réclame. Encore la pub, hein, toujours pareil. Les instants CPM, les millièmes de Big Mac. Du coup, j'arrête là pour ce petit break. Je vous retrouve dans 5 minutes, donc ne zappez pas. On va continuer notre run sur Borderlands. Allez, des bisous.
Une chose que j'ai oublié de vous montrer. Une chose que je ne vous ai pas montrée et qui a plus ou moins lancé le fait de faire des constructeurs challenge. Et ça, c'est une chose que même les gens qui ont beaucoup joué à Borderlands peuvent ignorer. Lorsque vous êtes dans le menu, ici, vous avez tout un tas d'onglets. Vous avez la carte ici, vous avez ici l'onglet avec les quêtes, vous avez les points de skill ici, l'inventaire. Et donc, vous avez votre feuille de personnage globale qui se trouve ici. Très bien. Donc, vous avez ici vos proficiencies. En fait, c'est votre maîtrise des armes. Plus vous avez une maîtrise forte des armes, plus vous allez augmenter ces maîtrises et plus vous allez gagner de bonus avec. Mais il existe autre chose dans cet écran. Votre personnage qui se trouve ici. Et en fait, vous vous apercevez que derrière votre personnage, vous aurez le nom d'un des constructeurs du jeu. Et en fait, ce nom-là, il se met à jour en fonction de l'arme que vous avez le plus utilisée. Et là, comme vous le voyez, évidemment, vu qu'on a utilisé que des armes dalles depuis le début, eh bien, vous avez ce nom dalle qui est marqué derrière. Et en fait, c'est à cause de ça que, à l'époque, quand je me suis aperçu de ce truc-là, que je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant de faire un parcours où on n'utiliserait qu'un seul de ces constructeurs. Et c'est à ce moment-là que je m'étais lancé sur Xbox, donc à mon premier parcours constructeur, qui était de. J'avais joué mon soldat, et j'avais choisi d'utiliser que des armes Torg avec. Et j'avais vraiment, vraiment beaucoup apprécié ce parcours. Je m'étais vraiment, vraiment beaucoup amusé. Et donc voilà. Voilà une des explications pour lesquelles je me suis lancé dans ces parcours constructeurs. Non, c'est bon, j'ai compris. Mon antivirus a été mis à jour. Tu peux te casser maintenant. Voilà, merci. Ok, très bien. Donc dans cette zone, on est censé détruire, voilà, des véhicules adverses. Les Runner Patrol que vous avez ici. En voilà un. Ceux-là, je crois que les bleus, ils sont pas comptés, malheureusement. Oh, mais genre. Bullshit! Il y en a un, il était parfaitement dans le viseur. Ah, je m'insurge totalement. Je m'insurge totalement sur ce qui vient de se passer. Alors normalement il y a moyen de cibler un ennemi, mais j'avoue que je me rappelle plus quel est le raccourci en Borderlands. On va voir. Oui, alors lorsque vous vous faites rouler dessus dans Borderlands, vous crevez immédiatement. C'est-à-dire que ça vous met pas en fight for your life. Non, non, c'est la mort immédiate. C'est pour ça que lorsque vous faites des combats comme ça en véhicule, il vaut mieux ne pas sortir de son véhicule, hein, si possible. Alors, le bouton C, c'est pour changer de place. D'accord, très bien. J'essaie de retrouver, hein, quel est le raccourci. Est-ce qu'il n'est pas juste dans les options, tout bêtement? Keybindings. Spacebar. D'accord, très bien. C'était vraiment pas difficile. Yep. Genre le mec il fait croire que c'est dur quoi. Eh oui, ça marche. C'est bon, ça fonctionne. Lolilouche.
là-bas, visiblement. Ok, on en est à 5 sur 8. Non, ça c'est un ennemi de base, on s'en fout. Y a pas d'autres véhicules sans déconner? Allez, me faites pas ça, je vais pas tourner pendant 3 plombs pour trouver des véhicules. Ah, bon, en voilà un. Très bien. Encore 2. Je vais aller récupérer, il y a un objet normalement à récupérer ici, si je me rappelle bien. Putain, mais je suis un crabe, quoi. Apprends à viser, mec. Putain, c'est pas possible, ça. Je suis à 1 mètre du mec et j'arrive encore à le louper. Non, mais quel putain de sac. Bref. Nous disions, donc. Bon, en plus, j'ai perdu ma caisse. J'aille. Ah, pur et dur, évidemment. Pur et dur, hein, le VIP. Hein. Le VIP Grim Dawn. Redur, tu seras ravi d'apprendre que mon perso ne mène à rien. Hein. Il est absolument incapable de faire l'ultimate, hein, le dernier perso que j'ai tenté. Donc voilà, merci d'avoir joué. Hein. Je suis monté à level 75 pour que dalle. Merci Grimdawn et ton équilibrage à la pisse. Ah mais si tu bouges, hein, si tu bouges aussi vite de si loin, on va pas être sympa. Ça va pas être cool. Ouais. Fuck that. Fuck that. Et oui, du coup, Kiltao, tu as 4 heures de retard, mais bon, c'est pas ta faute, tu pouvais pas savoir. Ziak n'a pas streamé, donc du coup j'ai pris l'antenne un petit peu avant. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Oh man! Skagzilla Boys! Skagzilla Boys! Oh mais non, mais tu me fais direct les deux attaques les plus craquées pour balancer mon DPS quoi. Non mais s'il te plaît, respecte-toi Skagzilla. Oh yeah. Nice. Un kill de qualité. Un kill de qualité. Du coup. Oh tiens. Vous êtes encore là. Eh ben, c'est le décès. Bon, je pense qu'on est un petit peu trop loin. Ah non, c'est bon. On est pas trop loin. Ah non, non, on va pas farmer ce Skagzilla, hein, pas question. Ça prend trop de temps. Brutal Revolver, mais malheureusement, rien d'intéressant. Du coup, les vendeurs vont être mis à jour dans la seconde. Donc en fait, on va voilà, relancer. Caustic SMG, 53 000. D'accord, c'est pas pour tout de suite. Hein. Ah ouais, mais c'est un niveau 25, oulala.
Dans 4 levels, je pourrais l'équiper, donc ça sert à rien que je l'achète tout de suite. Ça sert absolument à rien que je l'achète tout de suite. Du coup, on va aller prendre toutes les quêtes annexes qui sont dans cette zone et on va les faire. Voilà, on va faire les quêtes annexes de cette zone parce que je les aime bien, tout simplement. Tout simplement parce que j'aime bien les quêtes de cette zone. Ah, on m'entend spammer la touche quand il y a des loots. Bah oui, évidemment, c'est... Ouais, mais j'ai un... C'est parce que j'ai un vrai micro. C'est parce que j'ai un... J'ai un Blue Yeti qui est sur le bord de mon bureau, donc on entend effectivement un peu les bruits de clavier, mais j'espère que c'est pas trop chiant. J'avais écouté un petit peu, j'avais fait quelques tests et il me semblait que c'était pas trop envahissant comme bruit. Donc vous pourrez me le confirmer, mais enfin, je trouvais que ça allait. Je trouvais que ça allait quand j'avais testé. Firefly Class Mode. C'est pas très intéressant. Ça va? D'accord. Ok, très bien. Alors, on va reprendre le véhicule. On va aller chercher, malheureusement, une arme qu'on ne pourra pas utiliser. On va aller chercher l'Elephant Gun. Le sniper, le fameux sniper sans visée, sans gros viseur. Donc le sniper de corps à corps. Le Salut, voici. Whiting's Elephant Gun. Oh yeah. I mean, yeah, not bad, not bad. Putain, c'est sale! C'est tellement sale! Ah, c'est tellement sale! Oh merde! Ah, Cocu Point, hein. Là, là, Cocu Point quand même, hein. Oh bordel! Oui, c'est une petite amélioration de mes dégâts, je crois, hein. 40% d'SMG supplémentaires. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Normal. On est bien. On est bien. Allez, on va oublier ça tout de suite, hein, parce que sinon on va dire encore des canons salauds et tout ça. Hein. Vous auriez bien raison d'ailleurs. Mais globalement, voilà. Et il est équipé, il est acheté, hein, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ah merde. Petit mode de classe sympathique. Petit mode de classe sympathique, j'avoue. Donc j'avais dit qu'on prendrait, voilà, les quêtes annexes qui se trouvent dans cette ville. Ok. Ben on est parti pour faire tout ça, non? Parti pour faire tout ça, go! On va commencer par la zone qui se trouve là-haut. Non, pas ici, là. Parce qu'il y a deux quêtes à faire là-bas, voire trois, je ne me rappelle plus. La première, c'est de retrouver toutes les parties différentes d'un revolver. Donc en voilà une. Il y en a une qui se trouve ici, qui est probablement la plus chiante à trouver. Celle-là. Vous en avez une là-haut. Je sais pas si on peut la choper directement d'en bas. On peut. Et la dernière se trouve dans le puits de pétrole qui se trouve ici. Ou alors non, c'est sur le chemin pour arriver au puits de pétrole ou quelque chose comme ça.
C'est ça. Et voilà. Une quête rondement menée. On clôt cette valve, qui est la première valve utile pour cette quête. Et donc on en a fini avec cette zone. Comme vous le voyez, c'était rapide, hein. Une fois qu'on sait où sont les parties de flingue, ça se passe quand même relativement bien. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une valve ici aussi? Elle est là. Deuxième valve fermée. Et je crois que la dernière se trouve là où il y a tous les petits insectes au fond de la map. Là-dedans se trouve une des quêtes qui est la visite de la zone iridienne. Donc on ira la faire juste après. Pour le moment, on va s'occuper d'aller fermer la troisième valve qui se trouve ici. Donc comme vous voyez, les quêtes se font vraiment rapidement, hein. C'est pour ça que j'ai décidé de les faire. Troisième valve se trouve ici. Voilà. Vas-y, clique sur le truc, merci. Alors normalement, il y a des Scythids dans cette zone. Il y a des sortes d'insectes qu'on doit écraser dans un des autres endroits du jeu. Visiblement, ils ont pas envie de spawner, ce n'est pas grave. Maintenant qu'on a fini cette quête, on va aller chercher l'artefact iridien qui se trouve là-bas. On va devoir pour cela vider le camp de tous ses occupants. Ok. Alors je ne sais pas ce qui se passe. D'accord, Badass Bruiser, ça y est, je sais ce qui se passe. C'est bon. C'est bon, maintenant j'ai une idée assez claire de ce qui a fait que je suis passé de full life à un point de vie en un quart de seconde. C'est l'ennemi que vous avez là-bas. Salut Azen Vortex. Bienvenue. Oh yeah, level up. Celui-là il fait plaisir, je vous avoue. Celui-là il fait plaisir parce que le 1 point de vie, il était globalement pas super génial à vivre. On va couper l'aggro tranquille. Mais ce massacre! Date massacre, bro! Ah oui, c'est vrai qu'il y a ces trucs-là à détruire aussi, les fuel tanks. Encore! Putain, je tombe quasiment que des snipers faits par Vladov. Pourtant, je suis censé trouver autant de Torg. Ouais, quoique Torg, c'est quand même un petit peu plus rare. Hein. Mais ne serait-ce que des snipers DAL, j'en ai pas vu énormément. J'en ai vraiment pas vu énormément. Donc, je sais pas pourquoi. Ah, ça y est. On va commencer à réduire nos cooldowns. Ça, c'est bon. Ça fait bien plaisir, je vous avoue. Donc, la prochaine quête... J'aurai à faire les fuel tanks. Oh, intéressant! Tu es dans une situation difficile, et eh ben tu vas pourrir ici. Voilà, tout simplement. Allez, des bisous. Ah, la physique des véhicules dans Borderlands a toujours un grand moment. Oh, c'est n'importe quoi. Allez,
deuxième fuel tank qui se trouve dans cette zone. Et en plus, on va pouvoir récupérer l'artefact terridien qui se trouve dans les sous-sols. I'm really good at this. Oh yeah. Toujours faire attention aux shotgunners, hein. Il y a toujours moyen que ce soit des dégâts assez élevés. Ok, parfait. Donc l'artefact terridien, il est dans ce truc là. Oui. Ne vous inquiétez pas, on prend pas de dégâts lorsqu'on tombe. Un revolver à chier, intense rifle, pas terrible non plus, donc globalement, rien d'intéressant ici au marchand. Il me semble que t'as une arme assez sympathique, toi. Oui. Violent SMG. C'est juste une amélioration à 100%. Oh oui. Ah, ça, j'aime bien. Vous avez vu un peu la vitesse à laquelle on recharge cette arme? Ah, ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Putain, malheureusement, c'est dommage, mais on n'a pas de... on n'a pas de vendeur... de munitions. Firefly class mode par dalle. Pff, le problème c'est que j'ai pas du tout prévu d'utiliser des armes feu. Donc autant c'est un excellent class mode, autant il ne me sert absolument pas sur ce personnage. Donc je vais à contre-cœur, c'est vrai, mais le laisser là où il est. C'est con parce qu'il techniquement il était encore meilleur que celui que j'avais, vu qu'il avait une cinquième ligne de bonus. Alors que celui que j'ai actuellement n'a que 4 lignes de bonus. Donc les Iridians, la race alien que vous avez dans Borderlands. Donc j'essaie d'utiliser au maximum mon temps de facewalk, histoire que mon bouclier se remette au max pendant le facewalk. Oh là là, je l'ai tué sur la dernière balle que j'avais dans le chargeur, quoi. Après j'étais vraiment à 0-0 balle. C'était très joli. Oh! Un SMG dalle bleu. War Cobra, très très bonne arme. Static Thumper. Encore une fois, c'est un Thumper. Donc, une arme assez mauvaise. En fait, c'est pas vraiment des armes mauvaises, mais c'est des submachine guns, en fait, qui ont une cadence de tir extrêmement faible. Mais, en contrepartie, ils font beaucoup de dégâts. Mais ça fout le seum quand même. Hein. Ça fout le seum quand on les utilise parce que voilà quoi. Une balle et demie par seconde, c'est un peu la surtristesse en fait. Voilà, ça. On sent que ça envoie légèrement plus, vous voyez? C'est relativement différent, voilà, comme philosophie. Bon, du coup, cette quête-là, terminée. On est reparti à la recherche de nos fuel tanks qui sont disséminés dans la map. Je crois pas, non. Encore 5 minutes avant qu'il y ait un changement au niveau des marchands. Donc on a le temps de terminer des quêtes encore. Avant de revérifier tout ça. On n'ira pas le revérifier celui-là, il est un petit peu trop loin, un petit peu trop excentré du reste du niveau, donc même s'il y a une mise à jour des marchands dans 5 minutes, on va pas retourner dans les sous-sols, hein, ça sert à rien.
Disons que c'est pas que ça sert à rien, mais ça nous prendrait trop de temps tout simplement d'aller d'aller vérifier à chaque fois. Voilà, deuxième fuel tank qui se trouve ici. Parfait! Nettoyage en règle de la zone. Et donc le dernier fuel tank qui se trouve exactement là où on a notre dernière quête annexe à remplir. Oh, mais t'es sérieux? Allez, sors de là, imbécile! Putain, j'y crois pas. T'es coincé à mort, c'est ça. C'est exactement ce que t'es en train de me dire. Bah, décède. Voilà. Crève donc. Et on va en refaire un. Ah là là, les véhicules dans Borderlands, toujours une grande histoire de débilité. Comportement des véhicules dans Borderlands, hein, quelque chose qui a jamais été amélioré d'un épisode à l'autre. Voilà. Cette zone-là, on va pouvoir faire deux quêtes. Donc la première, voilà, c'est de tuer des Scythid. Voilà, c'était ces sortes de cancrelats qui apparaissent sur la route et on doit simplement leur rouler dessus. Oui, c'est dégueulasse, je sais. Colpeta, tout ça. Et on en a 50 comme ça à écraser. Putain, mais t'es sérieux? Eh bah dis donc, Orias. Putain, mais même les badass, je les explose, quoi. Même les badass se font rouler dessus. Oh, on a droppé un autre artefact Iridian. On va sortir du véhicule, ramasser ça. Regardez là. Corrosive artefact. Enfin, j'ai droppé un sniper dalle. 166 de dégâts. Ouais, c'est un petit peu mieux que celui que j'avais avant, mais bon, c'est pas encore ça. Hein. C'est pas encore ça. Donc voilà, deux artefacts, c'est nice. Corrosive, niveau 2, c'est parfait. Voilà, donc Claptrap, hein, toujours très, très friand de ces informations, qui nous explique que le corrosif, c'est la joie. Le corrosif qui va foutre un dot extrêmement puissant sur les ennemis, donc un damage overtime, et qui en plus peut se transmettre d'un ennemi à l'autre. Donc, un élément tout à fait correct, hein, à utiliser. Probablement mon élément préféré de Borderlands. Même si c'est vrai que certaines armes feu sont super marrantes à utiliser hein, dans Borderlands 1, notamment le Hellfire. Hellfire, excellente arme de Borderlands 1, qui est un submachine gun fabriqué par Maliwan, et Maliwan uniquement. Donc ouais, c'est probablement un des flingues qui carry le plus hein, dans Borderlands 1, lorsque vous arrivez à trouver un Hellfire. En général, il vous dure un bon moment avant que ses dégâts deviennent trop faibles. Ouais. Excellente arme, le Hellfire. Bon, ouais, il doit en rester quelques-unes à tuer. Voyons les drops, donc visiblement j'ai droppé un objet blanc, donc ça m'intéresse pas. Les objets blancs n'ont pas de propriété spéciale, hein, donc. Globalement, la règle qu'il faut vous rappeler dans Borderlands, c'est que la rareté des objets
et va vraiment montrer sa puissance. Ce que j'entends par là, c'est que si vous droppez un item bleu, donc rare globalement, avec de très 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 bonnes stats, vraiment le truc, il fait des beaux dégâts, il a une bonne précision, etc. Vous pouvez être certain à 100% qu'il y a une version épique, donc violette, meilleure possible. Et ça c'est vachement important à se rappeler. Autant dans certains jeux, vous pouvez avoir des rares qui sont meilleurs que des épiques parce qu'il y a des bonus spéciaux que vous pouvez avoir dessus, etc. C'est pas le cas dans Borderlands 1. Dans Borderlands 1, les objets épiques sont toujours, toujours les meilleures versions possibles des objets normaux, on va dire. Et ensuite, les légendaires, c'est autre chose parce que les légendaires, eux, ont des bonus qui leur sont dédiés. Mais globalement, si vous avez une excellente arme de couleur bleue, vous pouvez être sûr qu'il existe une arme qui est techniquement meilleure sur probablement tous les points et qui sera violette. Donc voilà, ça vous donne toujours un truc à attendre. Vous voyez, vous aurez toujours la possibilité d'améliorer votre stuff. Là, vous voyez, je me débrouille bien avec un fusil à pompe d'ALE bleu. Eh ben, je sais qu'il existe des versions encore meilleures qui seront violettes, donc qui seront plus rares. C'est une des règles de Borderlands. Et ça, c'est vrai que c'est assez agréable, moi, je trouve, de savoir que c'est possible d'améliorer son stuff. Allez, on en a fini avec cette quête. Là, on a un pounder qui est un peu l'équivalent des thumpers, hein. Les thumpers, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est les machine guns, les mini machine guns qui ont des très gros dégâts, mais qui en contrepartie ont une cadence de tir absolument horrible. Bah ça, c'est pareil. Le pounder que vous avez ici, il a des très gros dégâts par rapport aux armes de même niveau, mais en contrepartie, vous avez un fire rate de 3. Est-ce qu'on a drop du légendaire? Pas encore. Sur cette partie, on n'a pas encore droppé de légendaire. Le plus haut qu'on ait, c'est un épique. Voilà, c'est l'épique qui est ici. Sinon, là, on a du rare, donc un item bleu, un item vert, qui est un item magique, entre guillemets, et en plus, et plus bas encore, vous avez les items blancs. Les items blancs qui sont les plus faibles, techniquement, du jeu. Alors, on a passé un niveau, ce qui va nous permettre de continuer à monter notre capacité, qui va nous permettre de réduire le cooldown du facewall quand on tue des ennemis. Et bonjour à tous ceux qui sont arrivés, hein. Je l'ai pas dit, il y a plusieurs personnes qui sont arrivées il y a quelques minutes, donc bonjour à vous. Salut Thiaz. Et voilà, donc vous avez vu, on a réussi toutes nos quêtes annexes, hein, ce qui va nous faire bah, pas mal d'XP. Hein. Voilà, on s'est fait quasiment une moitié de niveau juste en rendant ces quêtes. Pas mal d'armes d'ALE à vendre, malheureusement, il n'y en a pas vraiment des bonnes. Waouh! Waouh! Putain, ce perlot avec matériel 3. La vache! Ah, elle est magnifique cette arme. Magnifique. C'est probablement un des meilleurs revolvers qu'on puisse avoir à ce niveau. Parce que AX, ça veut dire que c'est du matériel 3, donc c'est le matériel le plus puissant chez Atlas. Perle. Ça veut dire que c'est aussi un truc c'est un préfixe qui est le préfixe de plus haut niveau possible chez Atlas. Donc globalement, on a deux stats perf sur cet item.
Ah ouais, absolument excellent comme récompense. Bon, malheureusement, il est inutilisable parce que, je le rappelle, dans ce challenge, on ne doit utiliser que des armes construites par Dal. Mais putain, il est beau, hein. Ah ouais, il est vraiment, vraiment magnifique. La vache. Il est sorti en 2009, le jeu, tout à fait. C'est ça. Donc ça, bah, c'est exactement le même classe mode que j'ai, sauf que je crois qu'il y a 4% de plus de dommages de... Ouais, c'est ça, on passe de 40, de 40% à 44%, franchement, ça vaut pas son prix, hein. Quoique. On va arriver bientôt à New Haven. Et à New Haven, je peux m'acheter quasiment tout ce que je veux, étant donné qu'on peut vendre plein d'armes. Quicksilver, High Velocity, Girl Power. Voyons les capacités qu'il y a sur le mien. Quicksilver, High Velocity, Girl Power. Donc c'est pareil. Bah, je pense que je vais le prendre quand même parce qu'au final, ça me coûte même pas la moitié de ma thune. Et de toute façon, je peux revendre celui que j'ai derrière. Et puis après, très bientôt, on va pouvoir farmer tout un tas d'armes et du coup se faire plein de fric. Non, je pense que je vais le prendre. Je pense que je vais le prendre. Vous allez voir, hein, vous allez voir. On va très très vite, hein, repartir sur de bons pieds au niveau de la thune. Donc là, vous voyez, j'ai quasiment plus de thune, mais ce n'est pas grave. Étant donné que le prochain combat, de toute façon, se fait avec le véhicule. Allez, on en a fini avec cette zone. On va aller combattre le boss et passer à la ville. Ah, toujours Scooter très diplomate, hein, bien sûr. Ah, donc tu vas dire à Madmel, bonjour à Madmel de ma part, et par bonjour, j'entends, tu vas totalement lui péter sa gueule. Alors, est-ce que je suis obligé de tuer les ennemis qui sont autour? Simplement, je suis obligé de les tuer. On va s'en occuper. Ah, la physique des véhicules, hein, comme je le disais, toujours un grand moment. Alors, est-ce que j'ai des ennemis à l'écran? Ouais. Par contre, j'ai plus de véhicules. Hein. Ce qui, je vous l'avoue, n'est pas très glauque dans cette zone. Est-ce que je peux me barrer? Est-ce que je peux sortir de l'arène? Visiblement, non. On s'en fout. Like a boss. Allez, ramenez vos boules. T'estimes à combien ton nombre d'heures de jeu au total? Oh là là. Sur Borderlands 1? J'avais dit au début, je crois que j'estime à environ, je sais pas, peut-être 600 ou 700 heures, quelque chose comme ça. En gros. En comptant PC plus console. Ouais, quelque chose du genre. Ce qui est pas énorme, hein. Enfin, si, c'est énorme, bien sûr, mais c'est par rapport à certains autres jeux. Enfin, je veux dire, j'ai passé 2500 heures sur Marvel Heroes, quoi. Donc bon, vous savez, 700 heures, voilà, c'est une paille, quoi. Du coup, voilà, s'il se passe quelque chose, voilà, je viens d'activer quand même le checkpoint, des fois que. Bon bah ça y est, tu sors enfin de ta boîte.
Donc ceux qui verront une référence subtile à Mad Max dans ce boss, il est possible que vous ayez raison. Voilà, donc une mort bullshit, hein, évidemment. Lorsque vous faites rouler dessus dans ce jeu, vous crevez immédiatement. On va essayer une dernière fois avec le véhicule, et si on n'y arrive pas, on va cheeser le boss comme des sales. Mais là, globalement, j'ai vraiment, vraiment pas eu de chance. Hein. Incroyable la malchance que je me tape sur ce boss, quoi. Il y a moyen de le tuer avec un véhicule, hein. Il y a complètement moyen, mais pff, c'est vrai que c'est tellement la merde. Ah ça y est, ça comprend enfin la référence pour le nom. Eh oui. Petit indice, Mad Max à l'époque n'était pas encore joué par Tom Béranger, hein, bien sûr. Ah pardon, par Tom Novembre. Non, toujours pas. Oh yeah. Allez, cassons-nous. Donc on pourrait ne pas aller à New Haven, on pourrait directement passer à... À Rust Common West de mémoire, mais c'est pas super utile étant donné qu'on a une quête obligatoire à faire dans New Haven. Effectivement, c'était Mel Gibson, d'où le Mad Mel, évidemment, comme nom de boss. Et oui. Donc allez, New Haven, la ville principale, on va dire, de Borderlands. I'm transmitting to inform you that I've made a decision I think you won't like. As administrator of New Haven, I am responsible for the well-being of its citizens. And in that capacity, I must keep the road to Sanctuary closed for now. Baron Flint's tribe and that infernal contraption of theirs are out on the salt flats, and I don't want citizens getting killed trying to get past them. Et voilà, l'arrivée à New Haven. Donc maintenant, il faut remettre la ville en état. Non, rien d'intéressant au marchand. Ah, c'est vrai qu'il y a un claptrap à sauver dans cette zone. Où est-il ? Il est là. Alors.
sauver le claptrap. Si je me rappelais bien, son voilà, son truc de réparation est là. Le voici. Ce qui va nous ouvrir en plus l'accès à un coffre supplémentaire. Malheureusement, ça c'est les vieux de la vieille qui ont joué aux premières versions de Borderlands le savent. Mais il s'avère que dans cette zone, vous aviez un nombre absolument effarant de coffres d'excellente qualité. Et du coup, vous pouviez faire des runs qui duraient genre 2 minutes chacun, et dans lequel vous pouviez ouvrir genre 5 ou 6 coffres qui étaient tous plus craqués les uns que les autres. Et du coup, vous pouviez trouver de l'équipement ultra facilement. Et ça a pas plu à Gearbox. Gearbox, il a dit non! Salopard! Salopard de joueur! On va t'apprendre, hein? T'as pas honte de farmer dans notre jeu de farming? Salopio, va! Pour la peine, on va remplacer tous les coffres qui étaient sympas dans cette zone avec des coffres tout pourris à chier. Et ça, c'est bien fait pour ta tronche. Et donc depuis, on n'a que des coffres tout nullos dans cette zone-là. Et il n'y a plus moyen de s'équiper à moindre frais dans New Haven. Donc je pourrais vous montrer hein, quel était le run optimisé à l'époque pour choper les coffres. Mais malheureusement, ça ne marche plus hein, sur les dernières versions. Ça a été nerfé. Donc comme d'habitude, hein, les développeurs de jeux vidéo qui refusent que l'on s'amuse dans leur jeu. Voilà. Un classique. Un grand classique. Bon, en attendant, je vais quand même réussir la quête qu'on m'a filée. Je vous montrerai le run juste après. Qui était le vieux run Old Haven, enfin New Haven, du coup. Toi, tu files des quêtes annexes, c'est ça? Is TK ok? C'est vrai. On peut le faire, hein, ça, rapidement. Il y en a un par ici, je crois, de générateur. Le voici. Et il y en a un autre vers tout au fond, là-bas de la ville, me semble-t-il. Ou alors je vais. Non, je l'ai peut-être déjà activé celui-là. Est-ce qu'il est dans la ville ou pas? Ouais, il doit être dans. Ah oui, je sais où il est. Il est dans les. Il est sur les toits. Il est sur les toits, donc il faut passer dans la ville, c'est ça. Il est ici. Mais c'est pas un exploit d'ouvrir des coffres dans un jeu où tu dois ouvrir des coffres pour avoir des objets, quoi. Soyons sérieux. Genre, looter des objets, c'est un exploit. Non mais, s'il te plaît, respecte-toi, Pérédur. Respecte-toi. Pitié. Donc, on va faire ces deux quêtes annexes. Hein. Le fameux King Tossing. Le King Wiwi. Donc, le run New Haven. Il suffisait de recommencer une partie. Vous partiez direct à gauche. Vous en aviez un ici. Un là. Tra, mais cette dissidence sur le chat.
Un ici, ça fait 3. Sur le chemin, vous pouviez checker le marchand d'armes qui se trouve ici. Le marchand de grenades, si jamais vous en aviez besoin. En général, on faisait pas hein, le marchand de grenades dans le run. Vous montiez ici. Vous en avez un là. Ça fait 4. Plus le marchand d'armes, hein, toujours. Le dernier se trouve sur ce toit, ici. Et si vous vouliez, vous aviez la possibilité aussi, si vous jouiez sirène, et uniquement si vous jouiez sirène, d'utiliser votre capacité pour vous téléporter ici. Et vous en aviez un supplémentaire. La raison pour laquelle ce coffre n'était pas dans les runs d'habitude, c'est tout simplement parce que si vous n'êtes pas sirène, vous allez mettre trop de temps pour choper ce coffre-là par rapport à tous les autres. Voilà. Donc souvent, ce coffre n'était pas inclus dans le run. Et comme vous le voyez, là, on a ouvert l'objet et on a eu un objet bleu à l'intérieur. Voilà. Donc ce coffre-là, qui était donc à l'extérieur de la ville, lui n'a pas été nerfé parce qu'il n'était pas dans le chemin le plus optimisé, on va dire, pour choper des armes rapidement. Donc là, on va vendre les fruits de notre loot. Et là, comme vous le voyez, je vous l'ai dit hein, un peu avant, ça m'a pas fait chier d'acheter le nouveau class mode, étant donné qu'on a déjà remboursé en fait l'achat de ce class mode en faisant 2 runs de ces coffres. Donc, vous vous rendez bien compte que ça me faisait pas chier de claquer voilà, 25 000 crédits ou 27 000 crédits. Parce que je savais que en 3 runs de coffre de New Haven, j'allais me faire 40 000 crédits, quoi. Voilà. Donc si à un moment vous êtes en rate de thunes, vu que il est très peu probable que vous trouviez des armes de qualité dans ces coffres, vous avez toujours les coffres qui vous donnent des armes garanties dedans. Donc ça fait toujours de la thune à revendre aux marchands. Enfin, des armes à revendre aux marchands pour de la thune, du coup. Et donc, ça, ce qui me permet en plus de vous expliquer le concept de Awesome Level. Alors, accrochez-vous, mais dans Borderlands 1 en tout cas, chaque coffre que vous allez ouvrir a ce qu'on appelle un Awesome Level. Plus vous avez un Awesome Level élevé sur un coffre, plus la qualité des armes que vous allez trouver à l'intérieur sera globalement meilleur. Ce que ça veut dire, c'est que même sur des coffres qui ont un awesome level très bas, vous pouvez trouver de bons items. C'est juste que vous allez en trouver beaucoup, beaucoup moins souvent. Voilà. Si vous faites des runs avec des coffres à fort awesome level, vous allez globalement vous équipez beaucoup plus rapidement que sur des coffres à bas awesome level. Et là, il s'avère que la chose qu'ils ont changé dans Borderlands, c'est que avant, la totalité des coffres de New Haven étaient des coffres à awesome level maximum. C'est-à-dire qu'ils étaient totalement partis en live hein, chez Gearbox, mais les 5 ou 6 coffres que je vous ai montrés sur la route était rempli de potentiellement les meilleurs items du jeu et donc avec une bonne chance d'en trouver. Bon, évidemment, c'était pas une maison magique qui vous donnait le stuff parfait en 45 minutes. Hein. C'est fallait passer des heures et des heures à farmer le truc, mais globalement, vous pouviez vous faire un stuff tout à fait correct en faisant uniquement des runs de New Haven. Donc forcément, bien sûr, ils ont été obligés de diminuer la viabilité tout simplement de ces runs parce que bah voilà, il n'y a aucun challenge à faire ces runs. Évidemment que je comprends que on peut pas laisser le truc en l'état. Ça devient trop facile de s'équiper sans aucun investissement réel du joueur. Évidemment que je comprends. Donc
ils ont décidé de faire ce changement et de diminuer. Bon. Ils sont peut-être allés un petit peu trop loin dans la diminution, hein. Ça c'est à discuter, hein, on va dire. Mais c'est vrai que les moments où on avait New Haven avec les coffres Awesome Level Max, c'était quand même légèrement n'importe quoi, hein. Faut quand même bien avouer. Mais ne vous inquiétez pas, hein, il reste d'autres endroits dans le jeu qui nous permettent de nous équiper de façon très très bien optimisée. Notamment un qui s'appelle le Crimson Fastness, qui se trouve vers la fin du jeu. Et qui est un run où cette fois il y a des ennemis, hein, où cette fois vous êtes obligé de manœuvrer entre des ennemis qui sont d'ailleurs certains des ennemis les plus puissants du jeu. Et vous avez 4 coffres à très fort Awesome Level garantis sur la route. Donc vous avez moyen de vous faire du stuff à d'autres endroits du jeu, hein, vous inquiétez pas. Alors que dans Borderlands 2, vous ne pouvez vous faire du stuff. Laissez-moi réfléchir. Ah ouais, c'est ça! Nulle part! Voilà, ça c'était gratuit. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ma petite diatribe sur Borderlands 2. Maintenant, je me sens mieux, ça y est. Mais voilà, vous avez compris un petit peu le principe. Allez, je vais balancer la pub. On se retrouve dans 5 minutes. Je vais aller juste vendre les objets aux marchands. Et on ira faire la caverne qui se trouve un petit peu au-dessus, là-bas, au fond de cette zone. Étant donné qu'il y a 2 quêtes annexes à réussir là-dedans, même 3 quêtes annexes techniquement. Autre chose, si le stream se coupe, c'est normal. Je vais arrêter le stream pendant ces pubs. Étant donné que ça fait déjà une VOD de 5 heures, donc là je vais arrêter la VOD, je vais relancer le stream juste derrière. Donc si vous voyez un down du stream, c'est normal, hein. C'est pour découper en fait la vidéo. Déjà 5 heures, c'est un peu trop long, donc je ferai probablement un découpage 3 heures, 2 heures. Et donc on va. Je vous retrouve juste après. Donc ne vous inquiétez pas, on se retrouve dans 5 minutes. Allez, des bisous.